Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, c'est une guidance donc générale, sentimentale, intemporelle, comme d'habitude. Il y aura peut-être un petit peu de lien d'âme, je ne sais pas trop. J'ai sorti un petit peu, sorti plusieurs oracles. J'en ai deux nouveaux et deux avec des messages, donc vous verrez bien, ce sera amusant. Je les ai essayés déjà une fois. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Enfin, c'est l'énergie est un peu. Enfin, on vit des choses depuis la nouvelle lune qui est quand même un peu secouant, je pense. Il y a peut-être des gens qui sont rappelés alors par rapport à leurs blessures. À tout niveau d'ailleurs, je pense, quelle que soit la polarité, ça secoue dur, comme on dit. Il y a beaucoup de karma, là, je pense, à épurer. Vous êtes dans des libérations, là, hein, pour beaucoup de gens. Après, chacun libère comme il peut. On libère tout souvent déjà dans cette vie-là et ça peut libérer déjà une partie de ce qu'on a vécu avant. Mais parfois, il faut aller libérer sur ce qui s'est passé avant pour libérer dans la vie-là. Voilà, des fois, ça dépend ce que c'est. C'est pas toujours simple, mais bon, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit aujourd'hui. Je suis assez curieuse parce que, voilà, ma semaine a été aussi un peu secouante. Disons cela. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Racontez-nous où ils en sont, eux ou leur autre, hein. Homme, femme, on s'en fout. Peut-être une polarité, on verra. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Par quoi ils passent? Il y a des gens qui ont eu besoin de se reposer là, de se mettre en retrait peut-être. Je vais finir par dire que je dis tout le temps la même chose, mais c'est tellement récurrent, c'est un petit peu fou là. Ah, on a des gens qui vibrent différemment là. Alors des gens qui a priori, je pense, viennent de sortir d'une illusion importante, très importante sans doute, mais qui. Peut-être qu'au fond, il y a une petite voix qui leur disait que c'était ça, que c'était bien de l'illusion, d'accord? Donc, du coup, c'est peut-être pas une si grande surprise, et c'est des gens, du coup, qui vont peut-être se regarder avec un peu plus de compassion. Une ouverture sans doute plus grande, un amour de soi plus grand. Peut-être que le fait de sortir de cette illusion, ça va leur donner ça. Ils vont se rendre compte que, ben, en fait, oui, ils avaient raison sur plein de choses, qu'on est venu leur mettre un petit peu un voile, hein. Et du coup, ben, ça va changer quelque chose. Ils vont reprendre leur pouvoir personnel grâce à ça, reprendre une grande liberté. Ça va être très très fort, hein, un équilibre là qui va arriver, autant des polarités que de l'énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui va retrouver sans doute une meilleure santé, un alignement, hein, entre peut-être son mental et son cœur. Enfin voilà, on a vraiment ça. Et le fait de vibrer différemment, du coup, hein, parce que quand on sort de l'illusion qu'on s'aime enfin. Je veux dire ça parce que on est souvent dans ce cas-là, hein. Qu'on reprend son pouvoir sur sa propre vie, sa liberté, qu'on a le sentiment d'être quand même plus puissant à l'intérieur de soi, eh bien, on manifeste autre chose dans la vie. C'est-à-dire que vous allez vibrer des choses qui vous tiennent à cœur et il y a plein de choses positives qui vont arriver en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez classique, je vais vous dire, dans un chemin spirituel, mais là, c'est très beau parce que c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'illusion et qui, grâce à ça et à l'amour qui se porte à ce moment-là, puisque cette découverte ouvre son cœur en quelque sorte. C'est un peu bizarre parce que parfois c'est l'inverse parce qu'on est tellement désespéré d'être resté dans l'illusion si longtemps que ça se ferme. Mais là, cette personne, sortir de ça lui ouvre son cœur. Et d'un coup, ben voilà, il reprend tout le pouvoir sur sa vie qu'il avait sans doute plus. D'autres messages. Okay.
Oui, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix, hein. Son mental est beaucoup plus calme grâce à ça. Oui, peut-être qu'il a essayé la méditation. Ça se peut. Quelqu'un qui s'y serait mis et puis qui aurait pris goût. Vous savez, on essaye, hein. Enfin, moi, j'ai débuté il y a longtemps et j'en ai pas toujours fait tous les jours, mais j'y prenais goût, hein. Plus je le faisais, et plus mon mental s'apaisait, plus il y avait des transformations de ma santé, de plein de choses en fait. Et du coup, ben, ça incite à continuer, hein. C'est même fou. Il n'y a pas eu que les voyages chamaniques qui m'ont incité à continuer à méditer, c'est aussi le fait d'avoir son mental qui s'apaise énormément. Même si on fait que de la pleine conscience, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Waouh! Oui, c'est quelqu'un qui fait une sorte de bilan là de ce qu'il vient de vivre. Qui se rend compte où il en est. Et quelqu'un qui se transforme grâce à ça. Vous savez, là je vous ai dit, sortez de l'illusion. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui se transforme grâce à ça. Qui va découvrir des trésors en lui. Hein. Quelqu'un qui n'imaginait même pas être cette personne-là. Hein. Enfin voilà, quelqu'un qui a dû cacher peut-être beaucoup ce qu'il était. Ce qu'elle était, vous savez que c'est plus facile pour moi de dire il, mais ça peut être elle, hein, il n'y a pas de souci. Et qui, du coup, grâce à ça, à ce positionnement, au fait de se redécouvrir, de se connaître, de vibrer autre chose, il attire sa famille d'âme et il règle aussi son passé. C'est-à-dire qu'il va sans doute régler dans la foulée, ça se fait souvent comme ça. Des liens transgénérationnels, donc des blocages hein, sur les lignées, etc. Souvent, quand il y en a un qui en prend conscience, de toute manière, c'est sûrement parce qu'il est là pour les lever. Sinon, les autres dans la famille, ils n'ont pas conscience de ça, donc ils ne savent pas. Et quand il y en a un dans la famille qui gère et enfin, qui comprend ça, qui s'ouvre à ça, souvent, c'est lui qui doit le faire. Hein. Et d'ailleurs, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne parce que c'est pas si évident de larguer ça. Hein. Ensuite, c'est quelqu'un du coup qui va avoir un véritable coup de chance grâce à ça. C'est, je vous le dis souvent, hein, les libérations qu'on fait au fur et à mesure du parcours amènent des cadeaux. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment se retrouver face à ça et qui va s'aimer à nouveau, qui va se rendre compte que peut-être qu'il s'aimait pas assez ou qu'il croyait s'aimer, qu'il s'aimait pas vraiment ou c'était l'illusion, hein. C'est une apparence, enfin voilà, des choses qui ne sont pas réelles. Et le problème, c'est bien ça. Et notre société martèle tellement de choses à ce niveau-là que honnêtement, voilà, c'est pas si simple de s'en extraire. Et là, quelqu'un qui va être dans le non-jugement, je dirais par rapport à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'ouvrir enfin à ce que vous avez pu lui montrer et qu'il a fui, hein, quelqu'un qui a eu peur. Et qui a fui vraiment ce que vous lui proposiez, hein, parce que là, on est vraiment là-dedans. Mais que grâce au fait qu'il se transforme, qu'il lève l'illusion et qu'il aille voir un peu ce qu'il avait vraiment comme trésor à l'intérieur de lui, mais ça change tout. Voilà, il y a vraiment ce repositionnement qui fait que cette personne est différente d'avant, tout simplement. Ce n'est plus la même personne. Allez. Autre message par rapport à cette relation. Bon, il y a beaucoup de passion, hein. Le feu brûle entre vous. Et Michael est toujours le protecteur. Donc ça, c'est un clin d'œil pour le flamme jumelle, hein, évidemment. C'est notre archange. Hein. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec certains guérisseurs de flamme jumelle, puisque on est protégé par lui. Moi, il était là dès le départ de mon éveil. C'est très bizarre. Au début, il ne me parlait pas. Il posait juste ses mains sur ma tête. C'était un peu bizarre. En méditation, c'était étrange. Puis bon, il débarquait des fois. Ouh, qu'est-ce que tu fais là? Je ne le voyais pas, puis d'un coup, je le voyais. Ouh. Mais évidemment, Jésus aussi. Il est jeune, il s'est présenté dans la coupe. C'est trop rigolo. Mais non!
Ça fait rire. Regardez, c'est marrant. La coupe ressort. Là, c'est Jésus Ananda. Donc, c'est son nom de maître ascensionné. Hein. Donc, voilà. Bon, ben voilà, mes deux guides spirituels. Bon, ben, grâce à tout ce positionnement nouveau, cette personne se situe. Oula, 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 doucement, doucement. Il y en a trop. On va prendre que celle qui s'est retournée. Hop. C'est quelqu'un qui se retrouve, du coup, dans des énergies d'abondance. Hein. Énormément, ben oui, ben c'est dû aux libérations. Hein. Et enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à ces énergies d'auto-guérison qui vibre autrement. Hein. On ne peut pas dire autrement, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose de pas bon pour lui. On peut vraiment généraliser parce que ça peut être toute chose, ça peut vraiment être dans plusieurs domaines. Mais c'était une grosse libération, hein. C'était quelque chose qui... Et il en est reconnaissant hein, de ça. Il est vraiment reconnaissant à l'univers, ou peut-être à vous si vous l'avez aidé, mais d'avoir été libéré de ça, de cette illusion. C'est quelqu'un qui en souffrait, mais qui ne voulait pas aller au-delà des apparences. Hein. Voilà. Il savait sans doute au fond de lui-même... Mais il n'avait pas la force, en gros, puisqu'il n'avait pas récupéré son pouvoir personnel, d'aller au-delà de ça. Et là, grâce à ça, grâce à ces guérisons hein, qu'il a menées, il accède à la paix, à la vraie paix intérieure, hein, celle où je vous donne souvent cette image, hein, moi je l'aime beaucoup, c'est l'image de l'océan. Vous êtes, quand vous méditez, moi ça me donne beaucoup cette impression-là, vous êtes au fond de l'océan et... Vous savez qu'il y a des tempêtes à la surface, hein, vous gérez quand vous y êtes, mais vous n'êtes pas perturbé par ça, ça ne change pas votre intérieur, vous ne partez pas en vrille dès qu'il y a un truc extérieur qui vous arrive, et c'est ça la paix, la vraie paix intérieure, c'est ça, c'est d'être en capacité de rester tout pareil, même si à un moment il y a un truc du quotidien qui vous fait bondir, hein, c'est pas grave, vous avez le droit, mais à l'intérieur de vous, ça reste pareil. L'extérieur peut se manifester. Hein. Vous avez le droit de voilà, vous mettre un peu en colère 5 minutes. Ça, c'est une émotion. Hein. C'est un peu normal que ça sorte. Vous savez, quand vous avez, je sais pas, une panne de voiture qui n'était pas prévue, enfin, je ne sais quoi. Toutes sortes de trucs de la matière qui nous font des tours régulièrement. Mais comme tout le monde, et pour tout. Mais vous n'êtes pas obligé de remettre en question toute votre intériorité pour ça. Et là, c'est quelqu'un qui accède à ça et qui comprend ça. C'est-à-dire qu'en fait, qui ne comprenait pas qu'on pouvait s'autoriser à péter un câble de temps en temps. Ça fait pas de mal, des fois, de crier un petit peu. C'est une émotion. Quelqu'un qui ne gérait pas ses émotions, en fait, en vrai. Quelqu'un qui n'était pas capable, dès qu'il sentait qu'il y avait une émotion, paf, il fermait tout et il croyait qu'il fallait surtout pas pleurer, se mettre en colère. Enfin, voilà, on ne pouvait pas être triste. Il y avait beaucoup de limites, beaucoup de limitations. Et il s'est libéré de ça. Et ça, c'est cool. Ça change tout dans la vie. Hein. S'autoriser à être. Allez. Pour le duo qui nous regarde, ou l'autre ou l'un, l'un ou l'autre, pardon, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours? Ouais, là, on a vraiment des gens qui se libèrent d'un attachement, c'est-à-dire ce qu'on considère comme de l'amour conditionnel. Qui n'est pas de l'amour inconditionnel ni de l'amour véritable. C'est lié à des schémas karmiques. Ça peut être un karma familial, hein, vous savez, qui vient se greffer sur une lignée et vous êtes en train de répéter inlassablement ce que votre lignée a fait, c'est-à-dire arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Enfin voilà, des fois quand vous regardez vos lignées, ça fait un peu flipper. Hein. Bon, j'ai remarqué très tôt des choses qui se répétaient dans ma lignée maternelle. J'ai dit tout de suite, là on arrête tout, hein. C'est bon. Et si je l'ai remarqué, c'est que c'était à moi de la libérer. Voilà ce que j'ai fait. Mais il y a eu des répercussions un peu compliquées. Mais en attendant, il fallait que ce soit fait. Les liens, c'est parfois comme ça. On avance, ça tient. Quelqu'un qui est guidé, hein, complètement guidé. Un duo de flamme jumelle, on va dire, qui est réellement guidé ou d'âme sœur, hein, pour se rendre compte de ce qu'ils sont. Ok. Alors. Ouais.
Ouais, c'est bien ça. Alors, il est déjà sorti la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc, la première polarité que je vois, c'est une personne qui est en train de guérir une blessure originelle. Et c'est dur, hein. C'est pas facile du tout, puisque là, on a vraiment le couple qui est en train de travailler sur son intériorité. Donc, l'un qui guérit des blessures émotionnelles importantes, graves sans doute, puisque la blessure originelle, hein, c'est soit l'abandon, soit la rejet. Et la rejet est quand même très très compliquée à voir, puisqu'elle est inconsciente, elle arrive avant vos 1 an. Donc, il y a différentes techniques, hein, qui permettent de la mettre à jour, déjà votre comportement général dans la vie, mais aussi la kinésiologie qui peut faire émerger des choses pendant la grossesse de votre mère, etc. Et l'abandon qui est généré avant l'âge de 3 ans, et donc pareil, on ne s'en souvient pas. Après, c'est avec le sexe opposé, l'abandon, le rejet, c'est avec le sexe, le même sexe que vous. Donc voilà, c'est à vous de voir un peu comment ça s'est passé avec vos parents respectifs. Mais ce n'est pas toujours évident de voir, parce qu'en plus, elles interagissent ensemble, hein, les blessures. Donc, on va laisser passer mon rideau qui se ferme. Peut-être devoir allumer la lampe, je verrai bien. Il y a un petit bruit, voilà, c'est pas grave. Ouais, vous voyez plus grand-chose. Hein. Peut-être allumer quand même. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien voir les cartes, donc j'allume. Ok, et donc la deuxième polarité. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une recherche d'équilibre, qui est dans la lumière, vraiment. D'ailleurs, ça doit briller vraiment vers votre autre, puisque vers l'autre, parce que là, voilà, c'est quelqu'un qui accède à cet équilibre, hein, et qui prend conscience que vos différences sont votre richesse, que vous n'êtes pas obligé d'être semblable. C'est pas parce qu'on est semblable qu'on va s'aimer davantage. Évidemment, avoir des points communs, c'est sympa, c'est même facile. On dira que c'est plus facile. Mais c'est pas ça qui fait la richesse d'un couple, hein. C'est plutôt la communication, c'est l'amour, évidemment. C'est l'authenticité, c'est le fait de ne pas se cacher, d'être soi-même, d'être libre, de se sentir libre, complètement, tout le temps. Ne pas être dans le jugement. Donc là, on a quelqu'un qui voit ça, qui vit ça et qui le vibre énormément, qui voilà, qui dans l'acceptation totale du lien. Et là, donc cette personne, du coup, elle est sans doute poussée beaucoup pour ouvrir son cœur et aller enfin guérir cette blessure d'origine, enfin originelle, et aller travailler son intériorité, hein, puisque là, c'est ça. Et là, c'est vraiment le fait que votre cœur, le cœur de cette polarité, est complètement ouvert et complètement tourné vers elle-même, vers lui-même et vers le lien, que l'autre peut bouger. Hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. L'alchimie fonctionne comme ça. Et bah, la source est là. Hein. Donc voilà, vous êtes vraiment là. Les personnes, elles sont guidées, mais guidées, guidées, guidées. Et c'est un chemin. Voilà, c'est un vrai cheminement spirituel. Et là, les deux en prennent conscience. C'est-à-dire qu'il y en a une qui le savait déjà. Et l'autre le sait maintenant. Voilà. C'est récent. Très prometteur. On va dire ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui va se passer? Alors là, a priori, j'ai des personnes qui vont devoir accueillir des retrouvailles. Peut-être que ce n'était pas prévu au programme, peut-être que vous n'aviez pas envie, ou peut-être que voilà. Mais ça va vous apporter un grand bonheur, ces retrouvailles. Ça, je pense qu'il y a une des personnes qui est vraiment dans l'unicité, et donc du coup est prêt à activer ces retrouvailles.
Il y a un certain détachement de l'autre, peut-être. Bon, on a notre masculin sacré qui reste dans la nuit noire de l'âme encore, qui semble... Il est un peu cul entre deux chaises, hein, là, j'ai l'impression. Je vais essayer, on va tirer d'autres cartes pour voir ce que ça raconte. Oui, donc là, a priori, il est quand même dans quelque chose qui bouge. Il sort sans doute de sa nuit noire de l'âme. Il garde patience, il a de l'espoir. Hein. Vraiment, là, il veut vous se rapprocher de vous. Vraiment, très fort. Là, on est dans la fusion quand même. Hein. C'est un peu. Ouais, il fait un choix, en fait, hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait un choix. Et qui réussit finalement peut-être à aller vers vous pour communiquer, pour se rapprocher de vous, qui est conscient du couple sacré que vous formez dans la 5D déjà. Je pense qu'il est poussé, parce que là, il y a un détachement de l'autre. Là, je pense qu'on est dans le féminin sacré. Ouais. Ouais. Il ressent en fait le bonheur que vous manifestez dans la 5D, la vibration du bonheur que vous vous envoyez. Il la ressent et ça le pousse en fait. Donc il sort de la nuit noire de l'âme. Je pense que cette vibration qui est peut-être nouvelle hein, pour vous, donc pour le féminin sacré, le pousse à sortir de cette nuit noire de l'âme pour se rapprocher de vous. Mais il y a quand même encore une notion de patience. Sans doute qu'il y a encore des choses qui doivent avancer, mais là, le féminin sacré est vraiment dans un complet détachement par rapport à ça. Et donc, ben oui, ça pousse encore plus. Hein. Je vous l'ai déjà dit, le lâcher prise complet par rapport au timing, par rapport au contrôle de la relation, ben, c'est ça qui change tout. Donc là, on a ça. Quelqu'un qui va y accéder ou qui y est déjà. Et du coup, ça pousse vraiment votre autre à avancer. À aller vers son unicité, à lui aussi. Allez, qu'est-ce que je vais vous donner comme message par rapport à ce couple-là, pour les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Qui sont tombés. Alors là, on a des personnes qui doivent travailler leur ancrage. Donc l'ancrage, c'est le fait de se sentir connecté au grand tout, en gros, hein, à la terre. C'est pas qu'une question de nature, hein, c'est le fait d'être bien ancré dans la matière aussi, hein, dans ce qu'on fait, dans la vie, d'être dans l'action, d'être connecté réellement à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être dans la conscience, de ne pas faire des choses comme ça par réaction, par surréaction. Et là, voilà, on a quelqu'un qui doit travailler ça. Du coup, le fait de travailler ça, ça lui apporte de l'harmonie dans sa vie, ça lui apporte de nouvelles idées, ça apporte aussi ben, des nouveaux projets. Hein. Là, la future pleine lune annonce, voilà, c'est là qu'on plante ses projets. Donc voilà, je pense que ce délai-là de 15 jours... peut bousculer certaines personnes, mais bon là ça bouge, hein. En plus ce sera à nouveau une super lune, donc une pleine lune en Sagittaire. Sagittaire c'est un signe de feu, hein, donc voilà ça peut être bien costaud, donc à voir, hein. On en recausera.
Ouais, là on a quelqu'un qui devrait actionner sans doute plus la loi d'attraction, mais en étant positif, c'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui essaient d'actionner la loi d'attraction, mais qui ne sont pas positifs tout le temps. Alors c'est un peu compliqué, parce que l'univers, il ne comprend pas tout. Déjà, il ne comprend pas le négatif. Donc s'il me dit je ne veux pas, eh ben, lui, il va comprendre je veux. Ça commence mal. Et donc voilà, donc là on a vraiment quelqu'un qui est appelé à retravailler sur libération liée au passé, liée à sa façon de penser, enfin voilà, de laisser tomber les pensées négatives, etc. Et là, ouais, là on vous est amené à vouloir, enfin, on vous pousse en fait à vous libérer d'un lien peut-être. Prenant parce que en fait il est sacrificiel, c'est un lien où vous permettez à l'autre de dépasser la limite, de ne pas vous respecter, de respecter votre liberté, de respecter vos opinions, de ne pas respecter vos besoins. Donc là voilà, il y a quand même un souci, mais bon, faut retravailler l'ancrage en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est vous rendre compte que vous décentrez aussi un petit peu de vous, du nombril, quoi. Vous savez, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand on a une vision de plus loin des événements, des fois on voit mieux. Voilà. Et là, c'est un peu ça. Là, c'est un peu ce qu'on vous demande de lâcher ce qui doit être lâché, de peut-être bien faire la part des choses entre l'illusion et la vérité, enfin oui, il y a tout ça, hein. Ça rebondit un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est le fait de comprendre ce qui se passe vraiment, d'ouvrir un peu mieux les yeux au troisième œil. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des sorcières. Allez, mes petites sorcières, racontez-moi. J'adore cet oracle. Alors, il y a le tarot des sorcières et il y a l'oracle des sorcières. Donc moi je suis pas trop tarot, donc j'ai acheté celui-là. Allez, donnez-nous des messages. Pour les personnes, pour faire la vidéo. Ok. Oula, ça fait un peu de trop là. On va prendre que la première. Ok. Ok. Bon, on garde celle-là en dos de deck. Ok. On fait comme ça. Ah, tiens, décidément, on a les mêmes cartes qui ressortent, hein. C'est rigolo, il y a des gens qui ne doivent pas entendre certaines choses. C'est rigolo, on vient vous titiller les oreilles ou quoi? Vous n'écoutez pas les messages, a priori. Et je croise pas mal de gens comme ça en ce moment. On leur titille, on leur dit, ils ont plein de signes, plein de synchronicités, ils les voient pas ou alors ils entendent pas. Pourquoi ils ont des guides, ils les identifient bien là, en plus, mais non, ils ne vont pas les voir, ils ne vont pas chercher la réponse, ils ne demandent pas d'ailleurs la réponse, je ne sais pas pourquoi. Arrêtez de faire l'autruche. On n'arrête pas de vous le dire. Donc il y a aussi donc, des gens là qui doivent être dans la gratitude. Donc c'est important de se rendre compte que tout ce qu'on a, c'est une bénédiction. Tout. Même. Parfois, le côté un peu négatif, vous verrez, des fois, il y a des choses, j'appelle ça des cadeaux mal emballés, moi, des fois. Et c'est vraiment ça. Ça a l'air très négatif au départ, et puis finalement, vous y regardez un peu plus près, puis vous dites, oh tiens, ben oui, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas connu ça, ou j'aurais pas rencontré cette personne-là. Ah, mais c'est marrant, ça. Voilà, vous voyez, il y a ça. Et puis, il y a quand même ce côté où, a priori, vous bloquez pour pas entendre quelque chose, hein. C'est quand même fou. Mais a priori, a priori, le fait de se reconnecter à Gaïa, là on est vraiment dans Gaïa, mais donc ça c'est peut-être des gens qui manquent de nature justement, hein, qui feraient bien d'aller se promener, peut-être un peu plus, parce que ça, s'oxygéner, profiter, il fait beau en plus, s'oxygéner et voilà, rester dehors, faire des choses, des tas de choses, vous promener, faire votre jardin, j'en sais rien, mettre des fleurs sur votre balcon, enfin voilà, toutes sortes de choses. Être avec vos animaux si vous en avez, enfin voilà, passer du temps comme ça dehors, ça reconnecte complètement avec le tout, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ancrage, c'est
C'est beau, voilà, de voir des belles choses, voir des. Moi, l'autre jour, on s'est moqué de moi avec ma fourmi. J'ai un client qui m'a dit, mais moi, je l'aurais écrasé, votre fourmi. J'ai dit, bah non, on n'écrase pas les fourmis chez moi. Voilà, c'est drôle, non? Eh bien, non, voilà. Donc, voir tout, tout est beau, tout est bien, tout est connecté. Ouvrez ça, ouvrez votre cœur, sortez de la matérialité, de cette société-là qui voit que la surface des choses. Il y a un moment, il faut aussi ouvrir. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas d'ailleurs, parce que je pense que vous êtes ancré dans le mauvais truc. Et là, le fait d'ouvrir, enfin, de se reconnecter, de d'épurer toutes les émotions là, parce que là, j'ai la magie de l'eau et la magie de la terre. Donc là, c'est vraiment ça. On vous demande de vous d'aller mettre vos pieds nus dans la pelouse, quoi. Si vous voulez, mais bon, c'est l'image que j'ai, c'est ce que je fais, alors c'est pour ça. C'est un message. Voilà, moi j'ai la magie de l'eau, puisque je passe mon temps dans mon spa, j'ai médité tout à l'heure. Voilà, c'est très. L'eau est un conducteur incroyable, énergétique, pour capter les messages. C'est démentiel, la terre également, mais l'eau aussi. Donc, voilà, s'il y a des gens parmi vous qui sont réceptifs, qui sont pour eux, leur élément, c'est l'eau ou la terre, les messages, ils sont pour vous là. Et là, le fait de faire tout ça, vous allez récolter, ce qui veut dire que vous allez entendre les messages et vous allez en être heureux. Parce que peut-être que c'est des réponses à vos questions, peut-être que vous n'étiez pas assez attentif justement aux messages ou aux synchronicités et du coup, vous ne. Compreniez pas si vous étiez sur le bon chemin, tout ça, et c'est normal de se poser toutes ces questions. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, mais quand on vit des choses super tout le temps, ben, on se pose plus la question. C'est marrant. Et là, j'ai la coupe, j'ai la foi et la pratique spirituelle. C'est beau, non? Ben oui, il faut, c'est un parcours de foi, hein, les liens de flammes jumelles, les liens d'âme, ce sont souvent des parcours de foi parce que vous avez peu de preuves dans la matière. Des tas de preuves dans l'énergétique, mais en plus souvent avec d'autres personnes. Donc ça, voilà, écoutez votre intuition. J'adore. La coupe elle cause en ce moment. Hein. Oh la vache, j'aime bien ce jeu. Si tu me mets d'autres. Ah ben oui. Oui, il faut s'accorder du temps, de la douceur pour soi. Faut cesser d'être. Je dis souvent en ce moment le mot la slow life. Hein. C'est s'autoriser à diminuer le rythme. Bon, alors, je vais garder juste. Les premières, elles doivent ressortir, elles ressortiront. Donc ça, c'est l'oracle des hautes vibrations. J'ai craqué. Je fais ça des fois. Bon, j'en revends hein, des autres oracles quand j'en ai que j'utilise pas beaucoup. Je finis par les revendre. Donc ça fait tourner les oracles. C'est pas mal. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Bon, là, on a bien quelqu'un qui est amené à changer ses vibrations, à être dans. À faire le vide un peu hein, autour de lui, à. Ou elle, hein, évidemment. À prendre un peu de temps pour soi, être seul, pour travailler. Essayez d'être dans des émotions positives, accepter les négatives, mais mettre en avant les positives, se rendre compte qu'elles sont là. Et puis, donner. Évidemment, pas à votre détriment. Hein. Comme je dis souvent, une carafe vide, elle ne peut pas donner d'eau. Hein. Donc, s'occuper de soi, prendre soin de soi, de son corps. Moi, j'incite souvent les gens à se faire masser parce que bon, je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, ma propre fille est tellement chatouilleuse qu'elle ne peut pas se faire masser, donc c'est pas drôle. Mais prendre soin de son corps, se reconnecter à son corps en se faisant masser, par exemple, c'est quelque chose de très puissant et de très. Transcendant. Enfin, c'est vraiment surtout quand vous, enfin, vous avez affaire à quelqu'un comme moi ou comme Aurélie qui masse énergétiquement, c'est très puissant les énergies qu'on remue. Hein. Nous, on libère beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de choses, et c'est très un truc de ouf. Et là, on vous incite à faire ça, à vous isoler, à vous
à donner autour de vous, si vous avez des choses que vous pouvez donner, de vos compétences, de vos dons, des choses comme ça. À prendre vraiment soin de vous et dans l'amour, quoi. Donc, il y a ça. Et le fait de vibrer de cette façon-là, bien, vous avez plus d'énergie positive que... Et de plus en plus, et de plus en plus. C'est un cercle vertueux. Et ça, c'est normal. Et quand on est dans ces dispositions-là, je peux vous dire que les messages, on les entend. Quel que soit le canal que vos guides utiliseront, vous entendrez les messages. Et vous ne douterez pas. Parce que votre ego, quand il vient vous faire douter, déjà, quand vous doutez, ce n'est pas un message, c'est votre ego. D'accord? Il y a une partie que c'est le message, et puis vous doutez, donc paf, l'ego arrive. Ok? Dès qu'il y a du doute, c'est que l'ego pointe son nez. C'est aussi simple que ça. Comme je vous dis souvent, le seul détecteur, c'est la joie. La joie, l'amour, le sentiment de plénitude, de bien-être à l'intérieur de vous quand vous faites quelque chose, ça, c'est le chemin. Voilà, si vous ne ressentez pas ça, c'est que ce n'est pas le chemin, tout simplement. Ben ouais. Allez, notre polarité féminine, ou consciente peut-être. Qu'est-ce qu'elle bosse là en ce moment? Ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui avance. Étape par étape. Bon, qui grâce à ça accède à l'amour inconditionnel, hein, d'elle-même, de l'autre, des autres. Et qui là vient de comprendre sa mission de vie, ou sa mission d'âme, hein. Ben oui. Qui est consciente qu'il y a un timing là sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un timing pour libérer des choses. Là, c'est quelqu'un qui est poussé parce que si vous avez encore des relents de blessures d'abandon, par exemple, eh bien, vous êtes poussé à aller guérir, hein. On vient vous pousser, hein. Ouais, votre âme, elle vous pousse à ça. Elle vous pousse pour accéder à plus de plénitude, hein, plus, je vous le disais, à plus de joie, tout simplement. Arrêtez peut-être de ressasser. Oui, ben voilà. Il y a des gens qui viennent de passer ça, hein, la polarité féminine a peut-être eu un petit... oh là là. Oui, bon. Il y a dû y avoir quelque chose au niveau de la blessure de trahison. Quelque chose qu'a tapé, hein. Ça vous a peut-être fait basculer dans la nuit noire de l'âme, peut-être une résurgence, mais c'était pour travailler la blessure d'abandon aussi, puisque la trahison cache l'abandon, hein, faut le savoir. Elle ne se manifeste pas du tout de la même façon. Mais là, on vous demande, hein, tout à l'heure, vous vous rappelez, enfin, y avait, vous aviez la solitude et le fait de, bon là, voilà, on a quelqu'un qui vient de vivre ça. Ça a réactivé ces deux blessures très très douloureuses et compliquées, puisque voilà. Mais c'était votre âme là qui a orchestré ça pour que vous bossiez, hein, parce que ben, vous bossiez peut-être pas assez vite, tic-tac, tic-tac, et vous avez une mission qui vous attend. Donc il fallait faire ça. Pas le choix. Vous êtes attendu. Alors si vous êtes flamme jumelle, c'est encore pire évidemment, puisque si vous perdez trop de temps pour mettre en place la mission de votre âme, et votre duo d'âme a décidé, évidemment, vous serez poussé au cul. Hein. Logique. Et parfois, de façon un peu costaud. Hein. Même pour faire des choses bien, même pour faire vivre des sacrées expériences. Enfin, moi, ça fait, honnêtement, ça fait un mois que ça dure. C'est un peu space. Voilà. C'est pas grave, c'est bien. Exceptionnel. Mais c'est incroyable. Voilà. Allez, notre polarité masculine, fuyante, non consciente, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ben. Alors, vous voyez, c'est marrant, vous êtes vraiment en miroir, parce que là, il y en a un qui bosse la blessure d'abandon et de trahison, et l'autre bosse sa blessure de rejet. Hein. Et je pense que c'est grâce à vous. C'est que si vous ne bossiez pas la vôtre, il ne pourrait pas bosser la sienne. Et c'est vraiment ça. Et oui. Alors lui, il lutte contre son ego. Pareil, je pense que vous êtes en miroir dans la nuit noire de l'âme, tous les deux.
Ça ne doit pas être simple, surtout si vous êtes en communication. Alors, vous n'êtes peut-être pas en communication. J'ai une blessure du médiation aussi qui vient sortir. Et la blessure d'injustice, eh ben, dites-moi, les trois d'un coup. Magnifique. Pourquoi pas, hein? Il y a des gens qui en ont cinq, hein? Après, moi j'en ai plus rarement vu, mais ça existe sans doute. Elles ne sont pas toutes au même degré, hein, évidemment. Bon, alors là, a priori, on a quand même quelqu'un qui a compris qu'il y avait une histoire de karma dans son histoire et que ben, c'est ce qui avait mené où il est. Bon, il a freiné, quoi, voilà, c'est ce karma. Il a lutté contre son ego pendant très longtemps, sans doute, dû à cette blessure de rejet, hein, et là, cette blessure d'injustice qui arrive et qui... C'est une sorte d'alerte, hein. On vient, comme on fait pour la féminine au-dessus, on vient réactiver quelque chose pour que vous bossiez, parce qu'en effet, il y a un timing là, c'est quelqu'un qui doit faire un choix là. Vous voyez, la première carte, c'est le choix. Donc c'est quelqu'un qui doit, et en plus qui est très guidé, c'est-à-dire qui est vraiment poussé aussi pour le faire, qui ne vit pas ça bien, parce qu'il résiste, alors il a des foudres karmiques. Et qui, de l'autre côté, en plus, c'est pour ça que je ne sais pas si vous êtes en communication, mais... Il vous surveille en prime. Alors, je sais pas comment, peut-être les réseaux sociaux, peut-être d'autres biais, hein, mais en tout cas, il vous surveille. Et du coup, ben, y a peut-être un peu un côté, mais pourquoi elle est bien et pas moi, quoi. Peut-être ça. Mais bon, celle du dessus, elle n'est pas si bien que ça. Donc, voilà, a priori, vous, peut-être que la féminine, elle paraît bien, mais elle n'est pas si bien, parce qu'elle, mais elle le fait en conscience, je pense. Hein, parce que moi, il y a la voix de l'âme, donc pour moi, elle le fait en conscience. Elle est consciente que ces blessures sont là, sont revenues, peut-être que à sa plus grande surprise, mais elle est consciente qu'il faut les bosser, elle les bosse, et elle vit cette nuit noire de l'âme en conscience, avec ben, tout ce que ça peut apporter, parce que dans une nuit noire de l'âme, il y a quand même un gros effondrement de l'ego, hein, puisque c'est bien ça qu'on essaye, c'est ça qu'on essaye de guérir, et il y a une ouverture au don souvent, hein. Donc là, voilà, on est vraiment là-dedans. Excusez-moi, j'ai soif. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, voilà, j'en rajoute. Et mon chakra de la gorge qui est un petit peu impacté en ce moment. J'ai beaucoup toussé aujourd'hui, j'ai beaucoup libéré. Donc, voilà, j'ai fait mon chaman encore. C'est assez drôle. Mais bon, il y a un moment, ma gorge, elle a du mal à suivre. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le lien, du coup? Là, on a vu les deux polarités. Maintenant, j'aimerais bien avoir les messages sur le lien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y en a un des deux qui veut revenir. Hein. Qui veut revenir vers vous. Qui vous sent dans l'énergie, qui vous sent... qui sent votre énergie, qui sent peut-être d'autres choses, hein. Je vous ai déjà dit, hein, on peut sentir les douleurs de l'autre, on peut sentir les doutes, on peut même sentir les pensées. Si vous êtes en télépathie, vous aurez tout ça. Ça n'arrive pas tout le temps, hein, heureusement, parce que on aurait peut-être l'impression d'être schizophrène quand même, parfois. C'est assez drôle. Bon, oui. Bon, alors, il y en a un des deux qui est toujours dans la peur. Qui est toujours dans la confusion. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il vous ressente. Il doit se demander peut-être d'où ça sort. Ah, mais oui, c'est ça. Oh. Pauvre polarité inconsciente. Mince. Te voulant en colère. Ben oui, il vit des choses, en fait, qui ne sont pas très simples. Hein. Enfin, il se rend compte... Vu qu'il vous sent, d'accord? Donc, il sent sans doute des belles énergies. Hein, vous êtes en train de travailler. Peut-être qu'il y a des moments aussi de tristesse. Mais voilà, il sent des tas de choses. Ça le fait flipper. Vous avez bien compris. Il est très confus par rapport à ce qu'il ressent. Parce qu'il, confusément, il sait bien que c'est vous. Même s'il n'en est pas certain. Même si son ego le fait douter. Il sait que c'est vous. Donc, il a une grosse nostalgie par rapport à vous. Parce qu'il vous aime, hein, évidemment, même, enfin voilà, vous avez beau peut-être être loin ou pas être dans une communication très simple, il vous aime. Mais ça le met en colère. Après lui et après vous, parce qu'il a l'impression que c'est vous qui lui envoyez des trucs pour qu'il bosse.
Mais là, du coup, ça lui met quand même un certain éveil. Il y a une ouverture de conscience hein, qui arrive parce que, évidemment, ce genre de change énergétique ne fait pas rien. Hein. Ça fait vraiment des choses, même si vous n'en avez pas la preuve. Hein. Ne doutez pas, hein, ça fait vraiment bouger. D'ailleurs, vous-même, quand vous le ressentez, si vous le ressentez, ça vous a fait bosser. Hein. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'assez incroyable, d'ailleurs. Alors. Ah oui, bon, après, on a du contrôle des deux côtés. Bon, ben, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, hein, mes petits gars. Oui. Bon, ben là, on a quand même l'éveil qui arrive, hein, sur le lien. Donc, a priori, deux personnes qui seront bien dans la conscience du lien, qui vont, bon, et a priori, il y en a quand même un, ou peut-être les deux, hein, peut-être que vous prenez quelques foudres quand même. Mais il y a une sorte de justice divine là, qui arrive sur votre lien parce que vous avez une mission en fait, une mission commune à faire. Il y a vraiment un truc très important. Mais là, pour l'instant, il y en a quand même un des deux qui est toujours dans le contrôle. Alors, je ne sais pas, vu que là, on a sur la polarité masculine, on a eu je te surveille. Bon, ben là, voilà, j'ai à nouveau la surveillance et la réassurance égotique. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. Qui sait pas ce que vous faites, peut-être, vous êtes peut-être séparés. Hein. Et du coup, mais qui vous observe, sachant pas trop ce que vous vivez dans votre vie. Ben oui, logique, si vous n'êtes pas en communication, hein, il peut voir que ce que vous montrez sur les réseaux, par exemple, ou si c'est votre voisin, ou je sais pas, enfin voilà, si c'est pas simple. Puis il n'osera pas venir vous le demander, hein, évidemment, ça c'est clair. Hein. C'est très clair. Mais il y a vraiment cette mission commune là qui titille, hein, en gros, il y a vraiment ce timing là qui va arriver. Alors, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais ça fait quand même plusieurs fois que ça ressort, là, vous voyez, le tic-tac là. Et ça va apporter une vraie stabilité hein, dans votre lien. Vos âmes sont à égalité, comme on dit, elles sont alignées. Donc, ce qui veut dire que ben, vous êtes prêts. Là, il y a des. On aurait pu avoir la carte de la Réunion, hein, peut-être, hein, mais. On est vraiment prêt. Ah, on a quand même. Oula, il y a de la résistance là. Ouais, bon. Alors, je pense que celui qui résiste encore là, qui est vraiment pas bien, il a un entourage qui est très compliqué. Il y a un truc karmique énorme. Et c'est libéré là. Donc, il va voir. En fait, il y a un moment, il faut comprendre que les énergies tierces, elles sont là vraiment pour le pousser à bout, hein, pour qu'il dise stop. Donc pour qu'il se libère du lien qui est toxique, le lien karmique qui n'est pas bon, soit vous, votre autre. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui. Elles vont pousser ces énergies tierces jusqu'au moment où elles vont se trahir toutes seules. En gros, c'est un peu ça. Ce qui fait que eh ben, la personne qui voyait rien, d'un coup, elle ouvre les yeux. Vous avez bien compris. Voilà pourquoi la levée de l'illusion qu'on a vue tout à l'heure sur la première carte hein, du tirage. Et là, c'est vraiment ça. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ça, c'est pour les semaines qui viennent. Mais on a vraiment quelqu'un qui est obsédé par vous, qui vous surveille et qui est un peu désespéré, hein, qui a peur, qui a beaucoup de peur, les blessures remontent. Mais là, je pense que c'est un miroir. Hein. Il y a un truc en miroir là que vous vivez tous les deux en même temps. Alors, c'est vous qui l'avez choisi, hein, n'oubliez pas. Ça fait partie de votre chemin. Ça peut être très bien. Pourquoi pas? Travailler ensemble certaines blessures, hein, si vous en êtes capable, ça peut être très utile quand on est sorti de l'ego, quand on a compris comment ça fonctionne. Ça peut être une aide, hein, chacun de votre côté. Après, faites attention quand il y a encore de l'ego, parce que là, la danse des flammes repart comme en 40. Donc, on évite, mais bon, voilà. Parce que sinon, vous allez encore faire le yo-yo, vous allez encore avoir mal. Voilà. Il faut guérir vos blessures d'abord. Le plus possible, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, du coup, là? Puisque là, il est obsédé par vous. Qu'est-ce qu'il va finir par faire? Parce que, a priori, c'est un peu compliqué encore. Il y a encore cette nuit noire de l'âme, là. Ben oui, il prend des foudres karmiques, ce monsieur. Cette polarité masculine, là. Il veut pas, donc évidemment, qu'il se prend quelques foudres.
Bon, il est resté très fidèle à votre relation, hein. C'est quelque chose qui, dans le temps, il a compris que vous seriez là tout le temps, hein. C'est un lien éternel, hein, avec vous. C'est... Il choisit votre chaleur, hein. Pour l'instant, c'est encore secret, c'est-à-dire que c'est encore dans son for intérieur, je dirais. Peut-être que il n'a pas envie de le confier parce qu'il a peut-être été trahi aussi, plusieurs fois. Ça aide pas. C'est compliqué quand on ne peut pas se confier à des personnes autour de soi. Je discute beaucoup avec des flammes jumelles en ce moment et c'est vrai que je suis un peu désastrée, on va dire. Bon, j'utilise ce mot de temps en temps, il n'existe pas, hein, mais du fait que vous ne puissiez pas vous confier à d'autres flammes jumelles, peut-être, ou en tout cas à des personnes qui pourraient comprendre au moins le lien sans le juger, sans vous dire oh, c'est un lien toxique, machin, enfin voilà. Mais vibrez, si vous arrivez à vibrer plus fort et plus haut, vous attirerez des personnes qui vous comprendront. Vous fabriquerez votre propre cercle de sorcières et vous aurez du coup l'occasion de pouvoir échanger parce que c'est très important de pouvoir échanger sur ces liens qui sont intenses, émotionnels, souffrants parfois. Et je trouve que c'est dommage que vous ne puissiez pas le faire autrement qu'en visio, par exemple avec moi, pour ceux qui ont osé venir le faire. Mais, et je trouve ça, c'est bien que vous puissiez le faire. Je ne dis pas que c'est pas bien mon boulot, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Je dis juste que c'est bien aussi de pouvoir le faire dans la matière, avec des vraies personnes, avec des personnes qui ne sont pas loin de vous, avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez rencontrer, vous pouvez faire des échanges, quoi, de pratiques si vous êtes thérapeute. Enfin, voilà, c'est quand même très important pour l'évolution de chacun. Et si vous avez cette occasion, cherchez, trouvez, mettez en place des choses comme ça. C'est vraiment très bon et suivez votre cœur, quoi. Voilà, je suis sûre qu'il y a des moments où vous rencontrez des gens comme ça, mais vous n'osez pas le demander. Et alors que vraiment, c'est, je pense qu'il y a des gens qui ne demandent que ça. Donc voilà, donc il vous choisit. Le fait de choisir votre lien et vous, ça va amener une très grande guérison de ses blessures. Il comprend là qu'il a vraiment, c'était une épreuve obligatoire, hein. Il fallait qu'il se libère. Bon, évidemment, il va falloir un peu de temps pour tout ça. Il y avait beaucoup de dépendance, peut-être à des produits, mais peut-être aussi donc à des dépendances affectives. Ouais, il est toujours resté fidèle à votre lien, hein, malgré le fait qu'il y a peut-être eu une pause ou qu'il y a peut-être eu une non-communication à un moment. Bon là, oui, bon, ben là, voilà, c'est clair. Vous allez avoir un message. Je ne sais pas par quel moyen, vous verrez bien, mais c'est protégé, c'est guidé pour vous revoir. Voilà, pour une rencontre. Là, j'ai 3 mois devant vous. Donc, l'été, hein, juin, juillet, août. Voilà, 3 mois. Dans les 3 mois, ça va se passer. Et vous allez avoir vraiment... Et puis ça sort tout le temps. Vous avez remarqué déjà, la carte de l'été est ressortie. Et j'ai bien les 3 mois, donc on est dans l'été. Ça n'arrête pas de ressortir ça. Donc ça fait là, je sais pas, 4-5 guidances, hein, quand même, que cette carte, elle ressort tout le temps. Donc a priori, il va y avoir des sacrées énergies cet été. Vous me direz, hein, parce que moi je veux savoir s'il y a des réunions, des pré-réunions. Enfin voilà, après, vous savez, hein, il y a toujours des étapes, etc. Mais... Voilà, c'est déjà pas mal si on reprend communication alors qu'on n'en avait plus du tout. Faites attention juste de ne pas être dans l'ego et vous verrez, ça se passera bien. Mais c'est pas simple. Et là, on a vraiment quelqu'un qui, lui, il est resté fidèle à votre lien, vraiment, hein, très 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 intensément. Voilà, j'ai 2 cartes qui disent la même chose. La seule chose, c'est qu'en effet, il a travaillé sur lui, il a travaillé à ses guérisons, à ses blessures émotionnelles, à ses addictions, et ce choix de vous garder, hein, ce choix de... Il choisit de revenir vers vous, hein, concrètement. Et là, il va vous envoyer ce message, cette invitation à vous revoir. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est très puissant. Voilà. Waouh. Mais il a pris le temps de guérir ses blessures, il a pris le temps de comprendre, de... Bon, c'est comme on dit, hein, les blessures, elles ne sont jamais complètement guéries, donc c'est pas parfait, évidemment, c'est jamais parfait, c'est normal. Mais il a quand même avancé, et concrètement, il a fait ce qu'il fallait. Alors,
J'ai donc un nouvel oracle, petit oracle, l'oracle des âmes amoureuses, ça s'appelle. J'aime bien, je l'avais vu chez une autre consoeur que j'aime beaucoup, donc voilà, on va le tester aujourd'hui. Donc, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? Voilà, on va dire ça. Qu'est-ce que votre autre là, je vais vous inviter, aurait envie de vous dire? Voilà. Ah. Ok, bon, on a deux messages. Vous n'allez pas en venir. Alors, dos de deck. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc là, on a une conscientisation. Hein. Vous avez bien compris, on l'a dit depuis tout à l'heure. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ben oui, je vous le disais tout à l'heure, il y a encore le cul entre deux chaises. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, mais voilà. Quelqu'un qui prend conscience, hein, qui se rend compte, mais qui culpabilise du coup de tout ce qui s'est passé. Parce que quand on se rend compte de ça, qu'on ouvre les yeux, ben on se dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait le con là? Et c'est valable pour le chaser, hein. Je le redis à chaque fois, mais je vous rappelle que tant que le chaser ne bouge pas, le runner il ne peut pas bouger. Hein. Donc il y a la responsabilité bien des deux côtés. Et voilà, donc il faut arrêter de regarder la paille dans l'œil du voisin et de ne pas voir la poutre dans le sien. Donc j'ai un autre petit oracle que j'ai trouvé sympa aussi, vu que moi j'ai beaucoup les... Donc c'est le petit oracle des heures miroirs, parce que moi je... Enfin, voilà, vous savez, je vous l'ai déjà dit, les chiffres c'est tout à fait mon truc. Les heures miroirs, je suis matraquée, mais c'est incroyable. Enfin un peu moins en ce moment, mais quand même, moi j'ai beaucoup de 8 et beaucoup de 9. Alors que j'ai eu beaucoup de 5 à une époque, beaucoup de 3, ça, les 3 c'est toujours, c'est récurrent, c'est Jésus donc c'est récurrent. Et les plaques d'immatriculation avec certains messages assez marrants, il y en a même que j'ai prises en photo tellement c'était drôle. Quand j'ai pu évidemment, quand je conduis c'est pas tout à fait pareil. Alors, nous avons le 04, 4h40, d'accord? Donc ça, c'est une heure inversée. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, ça, c'est du contrôle, vous avez bien compris. Quand le chaser est encore dans cette disposition-là, alors ça peut être un runner hein, qui a une blessure de trahison, mais là, pour moi, c'est un langage de chaser, de polarité consciente, qui sait le lien et du coup qui croit qu'il n'y a que lui qui peut connaître le chemin pour y arriver. Sauf que le runner, parfois, en sait bien plus que vous ne pensez. C'est lui qui a le troisième œil actif, je vous le rappelle, et qui vous envoie certains messages, qui vous envoie des choses de son inconscient. Moi, j'ai eu beaucoup de clairvision qui ne venaient pas de moi et qui venaient de lui, et c'était très drôle. D'ailleurs, c'est lui qui m'analysait les choses, c'était très marrant. Sans qu'il comprenne, d'ailleurs, c'était marrant. Vraiment, c'était drôle. Alors, c'est lui qui me l'avait envoyé. Et donc, ce contrôle ne va faire que retarder hein, cette volonté que vous avez de le ramener dans le chemin. Vous n'êtes pas son sauveur ni sa sauveuse. Vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Vous ne pouvez pas le faire s'éveiller. C'est contre-productif, si vous saviez à quel point. Moi, je peux vous le dire, parce que je vous ai dit, enfin, pour ceux qui le savent, je suis tombée dans tous les pièges qu'il ne fallait pas tomber. Voilà. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà, je peux vous le dire, avec les effets que ça a pu avoir. 13h13, le renouveau. Donc c'est aussi 4-4. Hein. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet.
Donc là, on est. Alors, les ans miroirs, je vous ai dit que c'était souvent des messages de vos anges, hein. Mais ça peut aussi être un message de votre hôte. C'est bien pour ça que je viens d'analyser la trahison de cette façon-là. Là, par contre, c'est bien vos anges, c'est bien un guide qui vous le dit et qui vous incite à aller vers votre propre réalisation. Le 4-4, c'est bien ça, hein. Vous êtes dans la matière, dans le concret, vous avez des projets, vous êtes dans la stabilité. Et là, c'est vous qui gérez votre propre vie. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir derrière cette idée, hein. On a aussi 3h30, donc 03h30, d'accord? C'est aussi une heure inversée. L'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein et sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, le fait de vibrer positivement, d'être conscient, hein, des énergies négatives qui peuvent se véhiculer en soi, mais de choisir les pensées que l'on a envie d'avoir en soi déjà, dans son esprit, et les pensées que l'on a envie de garder et de vibrer. Voilà. Donc c'est un vrai exercice mental, hein, c'est une gymnastique mentale même, j'oserais dire. Mais c'est vraiment très bon pour vous et votre paix intérieure, ça, il n'y a pas photo. Pour ça, faut apaiser le mental. Je passe mon temps à le dire en ce moment, mais c'est vraiment ça. Et donc voilà, là on a vraiment vos guides vous poussent à vous concentrer sur le positif et à gérer vos projets, hein. À rêver, à sortir de tout ce qui pouvait vous bloquer. Donc on est vraiment là-dedans. Mais il y a encore un peu de contrôle, donc faites attention. Il y a des gens qui sont pas encore sur le chemin. Et qui croient que c'est en sauvant l'autre qu'on va y arriver. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Du tout. C'est même le contraire, en fait. Bon, mais écoutez, ce fut encore relativement sympathique. J'aime bien. C'était des belles énergies aujourd'hui. C'est assez sympa. Je suis beaucoup dans la libération karmique en ce moment. Donc, c'est amusant. Je libère des jambes, je retire des boulets, des enclumes, des fers aux pieds qui datent évidemment des vies d'avant. Donc c'est un peu space, mais c'est très passionnant et transcendant. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse aujourd'hui avec ça. Merci aux nouveaux abonnés, hein, depuis la dernière guidance. Les anciens, bah, je vous remercie d'être toujours là, de toujours me mettre des commentaires, de faire bouger cette chaîne, hein, de faire vivre la chaîne, puisque je l'ai faite pour ça, pour que vous vous entraidiez, pour que vous montriez aux autres que on peut avancer sur ce chemin, même si c'est compliqué, même si c'est souffrant parfois. Donc n'hésitez pas à vous entraider, à expliquer ce que vous ressentez par rapport à ça. Quand je fais une guidance ou même autre chose, hein, sur une méditation, sur un soin à distance, puisque je vais vous en faire maintenant, de temps en temps. Essayer de surfer sur la vague énergétique, pas facile. Là, on est en lune croissante, hein, donc ça va augmenter. Laissez-vous porter. C'est la seule chose que je peux vous dire. Essayez de ne pas bloquer le flux, parce que c'est ça qui fait que vous avez mal après, hein. Laissez venir. Écoutez-vous. Écoutez vos émotions. Écoutez vos ressentis, les messages qui arrivent. Que ce soit de votre corps ou des choses que vous croisez autour de vous. Hein. On parlait des heures miroirs, mais il y en a plein d'autres, vous le savez. Donc voilà. Essayez de comprendre les synchronicités. Faites vos propres recherches. Vous êtes sur un chemin spirituel, ça ne se fait pas tout seul. Faut pas penser ça. Ça, c'est pareil, contre-productif. Ok. Eh bien, on arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi, c'est le soir. Je la publie demain. Et puis, ben donc, bonne journée pour ceux qui la regarderont demain. Et puis, bonne soirée pour ceux qui la regarderont demain soir. Voilà. Ou un autre jour, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit, c'est intemporel. À bientôt!